Point ça Alors, pour Pellegrino. Westlet a mis deux fois de point, un point d'exclamation. Tu veux réagir à quelque chose? En fait, j'ai entendu parler d'une théorie sur les chevaliers de Rennes, en fait, et qui disent qu'il y a un lien avec Rogue One et que toute l'équipe de Rogue One, c'est les chevaliers de Rennes, mais je pense pas que cette théorie est vraie, en fait. Même s'ils étaient encore en vie, ça m'étonnerait que ce soit eux, parce que je pense qu'ils seraient déjà assez vieux, tu sais, à l'époque de. Je pense aussi qu'ils sont tous morts, mais bon. Ouais, surtout ça. De toute façon, je m'attendais un peu à une mort, mais après, voilà. Parce que, en plus, ils apparaissent pas dans l'épisode 4, 5 et 6, alors je m'attendais plus à une mort pour eux. En même temps, ils ont un peu explosé. Après, ça va. Ils ont un peu tous été désintégrés par l'onde de choc, donc. Un peu. Bon, alors, ça, c'est une théorie qui a été fondée avant la sortie de Rogue One, donc c'est aujourd'hui dément. Oui, d'ailleurs, bah, allez, parlons des théories, du coup. Les théories qu'on s'était faites et qui, en fait, ont toutes été pratiquement éradiquées. Le personnage devant la cuve de Bacta. Ah, bien déçu. Ouais, ah oui. Alors, celui-là. Ah ouais. Oh, merde. Fausse joie totale. Les réalisateurs ont dû bien se marrer en voyant les théoristes sur YouTube. Ah non, mais là c'est foutage de gueule complet. Hein. Là, quand je l'ai mais vu, bon, j'ai rigolé intérieurement. Là, j'étais refait, j'étais heureux. Après, je pense que c'était un peu le but de le mettre dans la bande-annonce pour laisser un peu l'imagination de dire ah, ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui. Mm-hmm. Bah, certains disent que c'est certains disent que c'est Snoke, mais bon. Alors oui, alors vu la chute. Je pense pas qu'il prendrait un spin-off pour introduire un personnage de la trilogie originale. Enfin, de la trilogie. Je pense aussi. Enfin, voilà. Mais je pense pas. Ici, à chaque fois, on voit un nouveau vieux pélo qui traîne avec Vador et l'Empereur comme dans l'épisode 6, et on dit que c'est Snoke. Voilà. Mais pourquoi il y avait des gardes de l'Empereur devant la cuve? Je comprends pas ça. Mais pourquoi? Non, parce que ça s'appelle un garde de base, ça s'appelle un garde impérial, hein, pas de l'Empereur. Ouais. Non, mais est-ce qu'on les a déjà vus avec autre? Parce que Darth Vador est toujours escorté par des Stormtroopers, mais jamais par des gardes comme ça. C'est la première fois qu'on le voyait comme ça. Ouais, mais c'est sa forteresse. Non, mais après, c'est sa forteresse. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sa forteresse, c'est un lieu important de l'Empire. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que ces gardes-là, c'était un peu des gardiens de la force obscure, ce genre de choses. Ouais. Donc, l'Empire, voilà. Bah, dans plusieurs trucs de l'univers étendu, on nous dit qu'ils utilisent la force. Après, l'univers étendu, c'est légende, maintenant, ça fait chier. Bah oui, après, la Disney, ils ont canonisé l'univers légende, l'univers officiel. C'est vrai que c'est bête. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage pour certains points. Bah après on peut toujours le lire, ça c'est déjà bien. Ils auraient très bien pu décider de comment décider de vraiment les détruire entre guillemets. Attends, bon, là, t'imagines la perte de sèche que c'est? Bien sûr que non, ils auraient pas tout. En plus ça leur apporte des sous à Disney quand même. Hein. Ah oui. Black Series Dark Raven. Ouais. Ouais, et continue à les sortir, merci. Mais alors, on peut sortir un Malgus, alors ouais, c'est possible. Donc ouais, comme cette personne-là, qui fait partie des gens avec qui l'Empereur est dans l'épisode 6, enfin, c'est un peu le même gars qui se met à genoux devant Vador, si à chaque fois qu'on voit quelqu'un dans ce genre et qu'on dit bah, c'est Snoke, il y en a quand même un vrai paquet. Donc voilà, non, je pense pas bien. C'est juste nous qui sommes tous un peu tarés de faire des théories à chaque fois. Ouais, voilà, c'est devenu une mode. Pour les fans, écoute. Ah bah oui, bah après, bon, moi j'ai toujours dit, c'est sûr qu'il y a des théories qui partent beaucoup en live, mais je me dis que, enfin, je sais pas, je trouve qu'elles sont nécessaires aussi pour développer, alors pas forcément l'univers, mais pour justement développer les débats autour de Star Wars, je trouve ça super intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est des fois, voilà, c'est l'imagination, c'est l'imagination que les gens peuvent avoir. C'est incroyable, bon, des fois ça part vraiment en live, ça part sur des clones de Palpatine, ça part sur des immaculées conceptions de partout à tirer l'arigot, tout le monde est né de la force. Mais des fois, il y en a qui font des liens. Comme je me souviendrai toujours de la fameuse théorie de l'axe qui partait de l'accent de Lord Santeca. C'était dans la Vautéorie 9, je crois. Lord Santeca et Galen Erso. Exactement. Bah, l'acteur pareil, qui joue Lord Galen Erso était Galagaren Malek. Alors ça c'était lourd aussi, hein. Putain. Ah ouais, mais c'était bien. Ça c'était très très lourd. Hein. Ah oui. Ah bah la tête, oui, elle a été démontée parce qu'au final c'est même pas. Ça a rien à voir avec un Jedi, c'est juste un scientifique. C'est un scientifique qui a été trouvé par Vador enfant, qui a été élevé par Vador. Non, c'est pas possible. C'est de l'agriculture. C'est ça.
Yo. Alors, il y a une théorie sur Snoke qui m'aurait convaincu, c'est tout. C'est Snoke, c'est Windu, ça m'a convaincu. Ah bah ça se peut, ouais, peut-être. Hein. Il y a une théorie qui dit qu'après l'épisode 3, il serait pas mort, en fait. Et qu'il aurait survécu, moi, c'est cette théorie-là qui m'a convaincu. Non, vraiment. J'y crois pas, moi. Et que les éclairs l'auraient dû figurer, ouais. Ouais. Ouais, qu'il aurait juste, on va dire... C'est pas Michael Jacksonisé, Mace Windu, arrête. Parce que Samuel Jackson, l'acteur qui joue Windu, il a dit que Windu il est super sage et tout. Comment il est possible qu'il aurait survécu suite à. Mais il est mort, Windu. Il a survécu. Ça, c'est une théorie, hein. C'est pas moi qui le dis, mais c'est une théorie. En fait, George Lucas a répondu. George Lucas a répondu après l'épisode 3 que selon lui, Windu il est en vie. Ouais, ouais, mais après, et George Lucas n'a plus aucun droit dessus. Ouais, non, mais il y a dit ça, au moment où il y avait encore la licence, techniquement, donc bon. Il y a dit ça après l'épisode 3. D'accord. Ouais, c'est ça, mais je suis pas sûr que Samuel Eto'o, il a fait beaucoup de caprices à George Lucas pour pouvoir l'avoir dans le film. Maintenant, je suis pas sûr que Samuel Eto'o accepterait que son personnage devienne cette chose qu'est Snoke. Samuel Eto'o. Maintenant, faudra m'expliquer, faudra m'expliquer comment son bras a repoussé. Aussi. Ouais. Ah bah oui. Ouais bah ça oui. Peut, hein, il a peut-être son bras il a peut-être repoussé. Non mais oubliez pas, juste pour l'histoire du bras, bon moi je suis pas trop cette théorie, mais pour l'histoire du bras, souvenez-vous tout simplement de Luke. Oui mais son bras il a un bras mécanique. Mais avec de la peau. Pas que Luke, il y a de la peau aussi. Ouais mais non mais dans l'épisode 7, vous vous souvenez quand il retire sa capuche, c'est son bras. Ah bah justement, là c'est la grande question, c'est de savoir pourquoi est-ce que Bah j'imagine que Mané et ses prothèses là ça Ah oui, non, ça ou alors il s'est fait défoncer lors de l'attaque et il a pas voulu le remettre. Parce que dans la vision, on le voit avec sa main bionique. Elle a peut-être brûlé ou j'en sais rien. Et autrement, la théorie que Snoke serait en fait Dark Vador, non ? Ça vous dit quelque chose ? Oula. Non, Dark Vador, il est Dark Vador, il croit pas. Non, mais par exemple, vous savez que le Jedi, je pensais plutôt à l'âme noire de Dark Vador qui se réincarnerait à un stade supérieur, vous voyez ? Mais non, il est devenu plus gentil à la fin. Non, mais le côté sombre, il se serait scindé en deux parties. C'est-à-dire qu'en fait, la partie Anakin, non, parce que sinon, se serait séparé. Moi, je pense pas, parce que sinon, Kylo Ren n'aurait pas de. Enfin, il aurait vraiment. Enfin, je sais pas. Il idolâtre son grand-père et sa force du côté obscur, donc je pense pas que, vu comment il voit Snoke. Ouais, c'est ça. Ce serait compliqué à expliquer. Parce que j'avais vu un artiste qui démontrait que le visage de grand Snoke. Ouais. Et ressemblait beaucoup au trait de Dark Vador à sa chute, quoi. Ouais. Ces choses-là. Ça peut être une coïncidence après. Juste, on re-souhaite la bienvenue à Eclipsy qui nous a rejoint. Et pour ce que tu as dit dans le chat, on a complètement débordé des questions de base. Là, on est parti sur des théories de Star Wars 7, donc on parle plus du tout de Rogue One. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, Mais attention, c'est ça que j'aime bien aussi dans ces débats, c'est qu'on part aussi en live, on lance un débat sur un sujet en particulier, et après tout on est là pour parler de Star Wars, donc c'est tout aussi bien. Mais moi, pendant que j'ai la parole, je vous dis tout de suite, pour moi ça reste Snoke égale Plagueis. Voilà. Ouais, pour moi, je suis d'accord avec toi. Je sais, il y en a plein qui n'aiment pas ça. Moi qui ressemble comme petit doigt à Plagueis. Hein. Pour moi ça peut être cette théorie. Ou alors tout simplement Disney, comme ils refont une nouvelle trilogie, faut qu'elle soit adaptée à tous, et du coup c'est un nouveau personnage, tout simplement, pour que tout le monde puisse comprendre. Bah moi je pense que c'est un nouveau personnage. Ouais, moi je serais assez d'accord aussi, Arthur. Mais dans la continuité, il faut que ça soit Plagueis, mais après à mon avis c'est un nouveau perso, je pense. C'est ça, moi c'est soit nouveau perso, soit Plagueis, je veux pas plus loin. Moi je pense que c'est impossible que ce soit un nouveau perso, parce que c'est clairement la suite, il faut qu'il y ait un rapport, je trouve vraiment... Ça serait bidon de sortir genre un perso venu nulle part, que personne n'avait connu avant, et puis et d'un coup il apparaît et c'est le grand méchant. Moi je pense vraiment que c'est sûr, mais bon voilà. Parce que tu sais comment. Et peut-être que dans l'épisode 9 on va savoir qui est Snoke vraiment, hein, ça se peut. Hein. Peut-être que dans l'épisode 9 il y aura une surprise, je sais pas. Mais Snoke, je sais pas qu'elle sera forcément qui c'est. Tellement mystérieux. Il y a une chose qu'on sait pas aussi, c'est comment l'Empire est revenu, est devenu le premier. On ne sait pas comment ça s'est passé entre le 6 et le 7. Donc forcément, il peut y avoir un nouveau personnage qui est fait cette remontée. Bah, pendant qu'ils pensaient tous avec les Ewoks, il y a un mec qui est arrivé sur le trône. On peut imaginer des choses.
Moi, je maintiens quand même que si Snoke, si tu changes une lettre, ça donne Snake, ça donne Serpent. Et moi, non, je maintiens qu'il pourrait... très, très drôle. Mais non. Et ce que je maintiens, c'est que pourrait y avoir des nouveaux pouvoirs, mais que comment... Mais que la force, ça pourrait aussi se matérialiser sous forme de poison. Et moi, je trouvais ça vachement... Ceux qui ne connaissent pas OCM, OCM a une imagination débordante. Mais attendez, demandez à Kishniko ce qu'il a lu. Je pense que quand il a fini de lire, il a fini déconcerté. Il a dû se dire que j'ai un labyrinthe dans la tête en fait. Non, mais tu fais partie justement de ces personnes qui ont une imagination complètement. Ça, je pense que c'est totalement impossible parce que déjà, vu comme on a hurlé pour le sabre à trois lames de Kylo. Alors, imaginez, genre, voir inédit de la force, alors là, c'est chaos, quoi, non, c'est le bordel. Pourquoi franchement refuser des choses comme ça? Parce que, attends, imagine si par exemple... juste la réaction possible. Oui, je sais, mais c'est dommage, franchement, imagine t'as un pouvoir tel que la force. Pourquoi se limiter à ce qu'on connaît déjà? Alors que je sais pas, si tu as la force, tu peux limite, essayer de... ils peuvent provoquer des ondes. À ce moment-là, pourquoi ils peuvent pas s'en servir comme bouclier? Pourquoi ils peuvent pas s'en servir pour arrêter des tirs de laser, mais comme fait Kylo, mais plusieurs, et les renvoyer à celui qui l'a envoyé? Pourquoi ils peuvent pas éteindre le bouton de sabre laser? Oui, non, mais comment? T'imagines, tu bloques le truc et tu le renvoies, là ça t'explose l'arme et le porteur, à mon avis, avec. Oui, parce que Dark Vador le fait sur Bespin dans le 5. Mais il le renvoie pas forcément, on voit pas trop ce qu'il fait. Il s'est tiré dessus, avec la main il l'arrête. Qui peut le faire avec les éclairs de force, donc j'imagine qu'il peut le faire avec les tirs de blaster. Faut peut-être toujours la force. C'est vrai que Palpatine il matérialise la force sous forme d'éclair. Ah ouais, ça aussi ils l'ont pas refait, mais ça serait cool aussi exploiter comme pouvoir. Mais il était pas seul, il y avait aussi Count Dooku qui le faisait. Oui, c'est vrai. Et Yoda a montré qu'il pouvait le maîtriser. Yoda peut l'absorber. Mais peu importe, Snoke qui reste un personnage super mystérieux. On en parlera plus sur le mythe de la force en soi. C'est vraiment surprenant, mais je sais pas qui a regardé ça un peu, mais vous êtes d'accord, Star Wars ils sortent des figurines sur tous les personnages. Est-ce qu'il y en a eu une sur Snoke? Je penserais pas. Ils l'ont gardé trop mystérieux. Moi je le sais, chaud de Snoke. Non, mais on n'a pas encore assez pour faire de figurines dessus. Mais ils auraient pu se baser sur ce qu'on a vu dans le film, et ils auraient pu faire une figurine avec un mec posé sur un trône à peu près avec ce qu'on a vu. Alors après peut-être qu'il y a un détail sur lui qu'on ne voit pas. J'imagine qui voudrait une figurine dans ce cas il le cache. Mais non, mais regardez, qui voudrait une figurine de Gollum? Non, mais ils veulent les garder mystérieux. Mais personne ne l'achèterait parce que personne ne l'a vu à l'action. Du coup, c'est pas très intéressant. Détrompe-toi. Ouais, détrompe-toi. Détrompe-toi. Oui. Mais là, il y a une figurine de Snoke qui sort demain, je peux te dire, va se vendre. Oui. Ah oui, c'est clair. Mais non, c'est ça, ça dépend si leur merchandising est vu d'un point de vue pour les enfants ou pour les fans hardcore. Si on passe sur cette figurine, selon moi, c'est que Snoke a une caractéristique physique spéciale que Disney a dit, vous sortez pas de figurine dessus parce qu'on va faire une révélation dessus qui va surprendre tout le monde. Sinon, déjà, il aurait fait... Ouais, c'est très possible. Il a des pannes à la place des pannes. Yoda, hein. C'est pas... Ils vont pas spoiler le truc qu'en faisant la figurine. Ah non, mais je suis d'accord, y a pas de souci. Après, je sais pas comment ça fonctionne chez eux, comment est-ce qu'ils lancent un projet de figurine, mais...